Quelle est la myosite La myosite est un mot large pour l'inflammation générale des muscles volontaires, ou squelettiques, qui sont utilisés pour le mouvement corporel et sont contrôlés consciemment. Les causes de la myosite sont très variées et peuvent aller de la cause la plus probable, les troubles auto-humains, à d'autres sources, telles que les infections et les blessures simples. Une autre cause moins courante est l'ingestion de statines et de fibrates, des médicaments zipolépidémiants, qui peuvent entraîner des symptômes de myosite. La présence de myosite dans le corps peut être indiquée par des taux élevés de créatine kinase ou CPK dans le sang. La CPK est une enzyme qui stimule les réactions biochimiques. Normalement, il ajoute des phosphates à la créatine, un acide organique naturellement présent dans le corps qui fournit de l'énergie aux muscles. Lorsque les muscles sont endommagés, leurs cellules se cassent et libèrent du CPK dans le sang causant ces niveaux élevés. Il existe quatre causes principales et communes de myosite corporelle. Une des causes, la myopathie inflammatoire idiopathique, comprend plusieurs sous-types. Le traitement de la myosite de chaque patient variera en fonction de la cause de l'inflammation. Fibrodysplasie ossifiante progressive, fibrodysplasie progressive, une maladie auto-immune rare, impliquant une malformation du squelette. Il affecte généralement les athlètes qui souffrent d'une blessure contondante. Les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive sont encouragés à se reposer et reçoivent des médicaments anti-inflammatoires. La chirurgie est rarement nécessaire, mais peut être effectuée si la condition empêche le mouvement. La fibromyalgie est une maladie chronique, mais ne mettant pas la vie en danger. Elle se caractérise par une douleur omniprésente dans les muscles squelettiques et les tissus mous ainsi que des problèmes de sommeil, des migraines, de la fatigue et d'autres symptômes. Normalement, cela affecte le dos, les épaules, le cou, les mains et la région pelvienne du patient. Bien que la cause reste inconnue, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de développer la maladie que les hommes. Les traitements peuvent inclure des antidépresseurs, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, de l'exercice, des techniques de relaxation et une thérapie physique. Les myopathies inflammatoires idiopathiques sont des maladies qui affectent le tissu conjonctif, entraînant une faiblesse musculaire et une inflammation constante. La dermatomyosite est une myopathie inflammatoire idiopathique qui comprend également une éruption cutanée. Bien qu'il n'ait pas de remède, il peut être traité avec une thérapie physique, des médicaments, du repos, des orthèses et un traitement thermique. La forme juvénile de dermatomyosite, qui touche les enfants, implique bon nombre des mêmes traitements, mais repose également sur des médicaments à base de stéroïdes, un soutien nutritionnel et l'utilisation d'un écran solaire. Une autre myopathie inflammatoire idiopathique, la polymyosite, est une maladie rare et incurable qui, en plus de la faiblesse musculaire et de l'inflammation, peut être caractérisé par une incapacité à avaler. Il peut être traité avec des médicaments et une thérapie physique, d'autres traitements possibles, y compris la radiothérapie, restent à l'étude. La myosite corporelle à inclusion sporadique, SIBM, une myopathie inflammatoire idiopathique qui se caractérise par un affaiblissement et une désintégration lente des muscles, affecte généralement les personnes âgées, les hommes plus souvent que les femmes. Également rares et incurables, ces symptômes peuvent être gérés avec des médicaments et une thérapie physique, les patients ont généralement besoin d'une aide à la marche après la progression de la maladie.